Une fois qu'on est connecté, on est sur la page d'accueil. Et ce qu'on veut faire, nous, c'est créer un nouveau projet. Alors, je m'en viens dans « Create New » et j'ai l'option ici, si je clique sur la petite flèche, là, j'ai l'option « Podcast ». Je vais cliquer sur « Podcast » et ça vient me créer ma timeline. Et je suis déjà prêt à enregistrer. Alors, pour l'instant, je ne veux pas enregistrer. Lui est prêt, mais moi, je suis pas prêt. Je vais cliquer sur le X comme ça. Et je veux juste me familiariser avec ce que je vois devant moi. J'ai essentiellement trois parties dans mon écran. La première grande partie ici, c'est la bibliothèque. Dans cette bibliothèque-là, il y a des choses qu'eux me fournissent. Il y a des choses que moi, j'ai ajoutées. Je peux tout utiliser ça pour faire mon podcast ou ma vidéo. Ici, c'est mon endroit pour voir ce que j'ai sélectionné, voir ce que j'ai déjà mis en place, voir ce que ça va donner quand le projet va être terminé. Fait que ça ici, c'est ma petite visionneuse. Ça ici, c'est ce qu'on appelle la ligne du temps, la timeline. Alors, c'est ici qu'on fait le travail. On vient fouiller ici pour amener ça ici et on voit le résultat ici dans la partie en haut à droite. C'est à peu près tout le temps comme ça. Il n'y a pas que WeVideo qui est fait comme ça. Il y a beaucoup, beaucoup de monteurs. Les ceux qui montent des films à Hollywood, par exemple, ils utilisent un programme qui est à peu près fait de la même façon.